Et bonjour à toutes et tous, nous voilà de retour dans Resident Evil 4, Resident Evil 4. Alors donc, il s'est passé un truc pas bizarre, ça m'est déjà arrivé sur plus de 200 vidéos que j'ai postées, qu'il y ait un fail au cours de l'enregistrement, c'est-à-dire qu'au moment où ça finalise le fichier, l'enregistrement il a foiré. Donc j'ai perdu donc la fin du chapitre 5, le chapitre 6 tout complet et début du 7. Donc il n'y aura pas de vidéo. Là je suis arrivé au 7. Je suis arrivé à un stade où voilà je suis bien équipé. Donc j'ai pas trop envie de recommencer. Parce que il y a eu des boss pénibles que vous pourrez pas voir. Et dont Mendes qui m'a pas mal embêté. On va reprendre cette sauvegarde, c'est la dernière. Je suis arrivé au château. J'ai pas regardé les statistiques d'ailleurs. Je vais regarder tout de suite avec vous les statistiques, les résultats. Alors ça c'est le 1. C'est le nombre de morts que je veux voir. 6, 5. Ah, je suis mort trois fois. Mais alors trois fois, c'est pas moi qui suis mort. Hein. C'est comment ouais, putain, ça baisse. Hein. Le 5, j'ai fait de la merde. Là aussi, le 3, il était pas mal en pourcentage de précision. Et ouais. Le 5, 19. Ah, j'en ai pas fait beaucoup, hein, des ennemis. Hein. J'en ai pas fait beaucoup. Et le 7, bon, je suis pas mort. Ouais. Mais bon, après, je ne peux pas reprendre ma sauvegarde parce qu'elle est vraiment trop loin. Là, je suis vraiment équipé. J'ai le sniper avec une lunette qui est bien. J'ai changé le fusil de pompe. J'ai fait pas mal de trucs qui sont bien. J'ai la mitraillette avec. La mitraillette, ça va, j'ai 190 balles, plus 30, le raid 9, j'en ai 12 plus 110, le pompe il m'en reste plus que 9 balles, j'ai acheté le magnum, et l'autre j'en ai plus que 20, ouais. Donc voilà, on va aller tranquillement maintenant s'emparer du château. Putain. Dans les murs, hein. J'ai toujours les mauvais réflexes. Déjà, on va prendre le sniper avec la super lunette. Ça m'a coûté des ronds. C'est pour ça que je vais pas le recommencer parce que j'ai pas trop envie de me faire chier. Donc là, toute la première partie, elle est safe. Hein. Je suis revenu en arrière. J'ai fini à plus de 5 heures du matin, j'ai voulu essayer de réparer ma connerie, reprendre, enfin la connerie, le bug de l'enregistrement. Mais c'était pas possible, c'était trop loin. Donc là, il y avait un ennemi, je l'ai défoncé. Il y avait une porte, mais elle est fermée. Ouais, c'est celle-là, le passage. Le château, ça va être chaud. Hein. Elle est où, elle? Elle est conne ou quoi? Je vais essayer de les faire. Hein. En pleine tasse. Voilà. On l'atteint.
Le Red 9 il est pas mal. Il est loupé. Il est mort. Suivant. Voilà. Là. Suivant. On va essayer d'y aller. Merde, à chaque fois je me gourde de touche. Ça, j'ai le réflexe de dans Elden Ring de ramasser avec cette touche. Ah ouais. Bon là on va pas rigoler. Il est où le bidon d'explosif? Ah merde. Ouais mais le problème c'est que je suis obligé de prendre des risques. Je la vois pas la catapulte. Je sais pas où c'est qu'elle est. Elle est là-haut. Ça y est, si c'est bon. Ah si, j'en vois une là. Ouais. Un de moins. Et j'ai oublié le bidon. Il y avait un bidon en bas. Je suis con, hein. Ça peut toujours servir. Je suis juste pour fabriquer des ovales. C'est pas cool. Merde, j'ai plus de balles. Pas grave. Ça, tu pourras plus parler. Je vois pas d'autres catapultes. Enlève-toi. Moi déjà. Putain, j'ai une balle de sniper pour ça. Classe. Oh là-dedans. Pourquoi il y avait une échelle? J'ai loupé un truc là. Là il y a le canon. Ouais, j'ai loupé un truc. J'ai dû louper un truc quelque part. C'est pas plus bas. Ça me fait flipper depuis avoir de balles pour sniper. Et comment ça se fait que j'avais un item? Ils n'ont rien planqué là.
Pourquoi j'ai un item là? J'ai un item. Ah ouais, j'ai un item de un gars que j'ai tué. Attendez pas un accueil aussi chaleureux. Merde, il est où ce connard? Je vois pas où c'est qu'il tire. Je vois pas où c'est qu'il est. Attends, bouge pas. J'ai pris des dégâts. Allez, ça y est, je l'ai repéré. Allez, merde, casse-moi ce truc. Allez, on y va, cocotte. Aïe, aïe, aïe. Quelle est la manivelle? Ah merde! Il est où ce connard? Aïe 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 aïe, je prends des dégâts, je le vois pas le lance machin. Il est là-bas. Merde. Chauffe à bidon. Range-toi, Ashley. Voilà. On va voir celui-là. Je suis mal placé pour les dégommer. Oh là là. On sent qu'il y en avait un autre. J'en ai vu un autre. Attends, bouge pas. Je pense que là, il va falloir tomber. Il n'y a pas d'endroit pour tomber. Allez, Ashley, suis-moi. Vite, 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 on y va. D'ailleurs, une manivelle là. J'ai plus d'étages, je m'en fous. Ah oui. On est dans la merde. Je sais pas où c'est qui arrive. J'y arrive. Je sais pas où c'est qu'il est ce putain de canon. Oh merde. Là, j'allais dire on est dans une zone safe. On passe les gants.
Aïe 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 aïe. Je pense pas que c'est ça le bon côté. Je pense que c'est là le bon côté, ouais. Voilà. Elle est où? Dégage. Ashley, est-ce que ça va? Ouais. Il y en a de moins. Aïe aïe aïe. Légèrement je tire au-dessus. Il n'y en a pas d'autres. Elle est où? On peut déjà dégommer la porte. Il me semblait qu'il y avait un... Il me semblait qu'il y avait un cristal bleu quelque part. Je vais bien les louper, je crois que j'en suis à 2 sur 6. Ah oui, il y en a un là. Je le vois pas. Faut que j'arrête de... Ça fait du pop dans le micro quand je parle. Aïe, merde. J'étais en train de penser à me soigner. Il est où l'autre? C'est lui qui m'a tiré. C'est gratos, donc... Je suis sûr qu'il y avait encore un autre truc. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a un qui est en train de me tirer, je sais pas d'où il est. Je sais pas où il est, ce con. Ah merde. Ah merde. Ouais.
Ouais, merde. J'ai plus d'œufs. J'ai qu'une seule potion de vie. Ouah. Je suis dans la merde. J'ai même pas de potion de vie. J'ai même plus de potion de vie. J'ai pas accès au coffre. Ce délire. J'ai mal œuvré là. Ouais, j'avais pas calculé, hein. Ouais, parce que là, je suis dans la merde. Et ouais, j'ai plus de potions de vie. J'ai fait les boss, j'ai fait les trucs. Je peux rien. Crap, si j'ai pas utilisé cette potion de vie, il me faudrait une jaune. Reste près de moi. Ok. Éloigne-toi. Rapproche-toi. Ok. Ça fait toujours peur avec un top. Pas à voir où c'est qu'il est ce con. Des munitions, mais c'est pas ce que je veux avant tout. Ah putain. J'y crois pas. Je vais continuer parce que j'aurai jamais assez de potions de vie. J'en ai deux au coffre. On reprend un camp là. C'était la porte. Celui-là. Ça devait être le sol. Je suis vraiment un gros connard. Je suis vraiment un gros connard. J'en avais un qui était juste à côté de moi. Et... putain, quel connard que je suis. Je suis arrivé par où? Je me souviens même plus. Je me souviens même plus. Là c'est la porte. On est arrivé par en bas il me semble. Il y a toujours le truc mais je l'avais pris. La partie save du truc.
un sacré bout de chemin. Ça fait un sacré bout de chemin. Salut, étranger. On va faire toute connerie. Bienvenue! Alors, qu'est-ce que t'achètes? Putain, 35 000, mais qu'est-ce que je peux faire là? Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences, l'ami. La pompe. Le Red 9, je l'avais déjà modifié au deuxième cran. Tu vois, le Broken Butterfly, c'est le Magnum. Putain. J'ai rien à vendre. Les 4,5. Les vents jaunes, faut les garder. Il y a deux bracelets élégants qui sortissent en... Est-ce que ce sera une autre fois peut-être? Attends, bouge pas. Ça c'est fait. Merde, c'est pas ça. Ça fait 26 000. Babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. Une affaire bien conclue. En quoi... Reviens quand tu veux, surtout. Faudrait que je trouve une tente jaune, c'est chiant. Bienvenue. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme étrangère? Non, ça c'est pourrait bon. Te sauver la vie, tu sais. Ouais. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. J'ai quasiment plus de balles, donc... Ça va me prendre.
C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. Ça passe. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. Est-ce que ce sera tout? Et ne va pas te faire tuer, hein? Ah, c'est bizarre, hein. Ah oui, c'était son œil, je me disais, c'est bizarre, il l'a fait à 100. Il me fallait... d'utiliser cette potion. Ça, on va avoir l'herbe jaune. Ouais, avant de faire le château et de proposer la vidéo, j'ai fait une découverte, hein, que je n'ai pas sauvegardé parce que, bien sûr, je regarde si je les sauvegarde en cours. Bon, j'en ai 3 sur 6. Sur des caisses dans les coins, là c'est la grille en bois. Et là on est vers le pesetas. Il n'y a pas moyen d'aller à d'autres endroits. Putain. Détruire tous les médaillons bleus. Et pourquoi il me dit que j'en ai que 2? J'en avais 3. Ouais, parce que je sais. Il m'a repris la sauvegarde. Il m'a repris la sauvegarde.
j'ai oublié celui-là. Ouais. Ouais, tout juste. Sur 6. Dans ce quartier, qui transforme une ancienne zone marécageuse, on trouve aujourd'hui de nombreuses boutiques à la mode, des restaurants et des bars. Il me semble bien d'avoir vu un plus haut. Et c'est ici, dans ce genre de café à la décoration vintage et originale, quel est donc son élément? J'adore le cœur de Paris parce qu'on est proche de tout. Il y a une effervescence, il y a une énergie qui est là. Aime aussi particulièrement ce coin de Paris parce qu'elle y a passé beaucoup de temps dans le cadre de ses études. Je vais pas utiliser une balle pour ça. Excusez-moi, je suis en train de chercher s'il n'y a pas d'autres médaillons. Le problème, c'est que il est où l'endroit où on peut remonter? Là, ça tourne en rond. Je peux pas aller chercher toutes les thunes que j'ai chopées en tuant les mecs. Je suis sûr qu'il y a un truc qui m'échappe là quelque part. Puis-je t'être utile? Il y a certaines choses que l'argent n'achète pas. Je voudrais les cartes du château. La mallette noire, elle vaut rien. La rouge non plus. Est-ce que c'est... Je vais tester. L'entrée de jeu. C'est un plaisir. Comité de faire d'accueil. Enfin votre connaissance, Monsieur Kennedy. Ok, vous êtes qui, au juste? Moi. Je vous en prie, appelez-moi Ramon. Et permettez-moi d'aller droit au but. J'aimerais que vous me remettiez cette demoiselle sans discuter. Maintenant. Ça risque pas, Ramon. Cette demoiselle. Reste avec moi. Monsieur Kennedy. Monsieur Kennedy. Comme c'est noble. Néanmoins, voyez-vous, nous avons besoin de
Avec cette jeune fille comme source, les États-Unis, que dis-je, le monde entier sera inondé par sa grâce. Car telle est la volonté de mon maître, sa sainteté, Lord Sadler. Alors, vous allez obéir, n'est-ce pas? Jamais! C'est pas moi qui l'ai dit. Comme c'est regrettable. Faites que notre invité se sente chez lui, maintenant qu'il a choisi la mort. Oh là 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 là. Léo. Les hostilités sont ouvertes. Ah oh, bébé, lâchez-moi. T'es blessé? Voilà. Non, ça va. Bon, on a déjà passé le comité d'accueil à la mitraillette, ça se fait bien. Bon. Qu'est-ce qu'on peut craft? J'ai déjà plus de balles là. Hop. On va positionner ici le snipe. Quasiment presque plus de vie. Fais chier. La ferraille, ok. Ok, bien sûr. C'est quoi ça? Ah, une machine, d'accord, ok. Donc la première, on peut pas la voir parce que c'est fermé. C'est fermé. Évidemment. Aussi. Tout est fermé. Faudrait qu'on passe de l'autre côté. Attends, bouge pas. On va assurer nos arrières. Oh putain. N'oublie pas qu'arme à feu rime avec jeu, étranger. Oh putain. Salut, étranger. Je ne ferais pas mieux. Je mets une double, toujours une double sauvegarde. Donc, j'ai rien loupé là. Et je passe à côté de trucs. C'est et là, je parie qu'on est renfermé. Non, on n'est pas renfermé, mais. J'ai rien trouvé d'autre à faire. Là, c'est fermé. L'hôtel, y a rien. Y a rien non plus. Bon ben, on va prendre la porte. Hein. Y a que ça.
Fermé. Ah bah. Il doit sûrement y avoir un autre accès vers la cour. Un accès vers la cour. Oh oh. Oh oh. J'ai loupé quelque chose. Armes pour être sûr, il n'y a pas un truc bleu. Oh putain, il y a une échelle. Il y a une échelle ici. Dans la cour. Bon, viens, Ashley. Ça me fait chier de. De pas avoir l'herbe jaune. Il doit y avoir un accès par la cour. Ok. S'il y a un accès, on va le trouver. S'il dit. Là, on avait. C'est par où on arrivait. Faire le tour. Tac, tac, tac. Ok. Ici peut-être. Là c'est le pont. Avec le canon. Par là. Par là non. J'ai loupé quelque chose ici. Oh là 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 là. J'avais tout à l'heure une munition de fusil. C'est bon ça pour le sniper. Ouais, c'est cool. C'est cool parce que lui il me sert bien. Je l'ai pas modifié. Là je vois pas. Ici je vois pas. Je retourne d'où je viens. Putain mais il est où le truc, à moins qu'il soit en bas, que j'ai loupé un truc en bas. Ah, elle me fait toujours peur, elle me fait chier. Je viens de voir un petit truc intéressant. Avec sur 6. Qu'est-ce que j'ai loupé là? Qu'est-ce que j'ai loupé? Là il y avait une grille, mais la grille elle est fermée, je suppose. Ouais. Je remonte par là. On a peut-être trouvé. Ah ben là non, là je remonte au coffre que je viens de péter. Là, on peut pas. Il doit y avoir un accès par la cour. Oh oh. Oh 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 oh. Il est bien caché l'accès, hein. Ils l'ont fait tordu, là je viens de le faire, ça sert à rien. Il n'y a pas un truc, une balancelle, un petit pont qu'il faudrait tomber. Merde. Est-ce que ça serait pas un bidon à faire exploser? Non. Je sais pas.
Là, j'ai beau tourner en rond, je ne vois pas là. Donc là, on fait le tour. On est d'accord. Là-bas, il n'y a pas un... un interrupteur ou un truc comme ça. Qu'est-ce que je pourrais... Il doit y avoir un accès par la cour. Là, c'est le... c'est le grand mystère. Celle-là, on peut pas l'ouvrir. Où c'est qu'il est ce putain d'accès? Où j'ai loupé une porte quelque part? Il est pas plus bas. Ici non plus. C'est un truc de malade. Là. Il a dit dans la cour, hein, c'est pas en arrière. Là, je suis revenu tout au début. Là. Je ne vois pas du tout où c'est qu'il est ce putain d'accès. Là, il y a un truc. Non. Tirer sur le truc pour des fois ça le fasse tomber. Mais je vois pas où il est. Hein. Il est vraiment pas évident à trouver hein, cet accès. Hein. Là, cette porte, non, c'est pas possible. J'ai fait 10 fois le tour. Là, ça remonte de l'autre côté. On est d'accord avec le coffre que j'ai pété là. Interrupteur. Je longe bien les bords au cas où.
Il est où cet accès? Il est où cet accès? Là, j'ai rien. Il n'y a pas de truc pour monter sur les caisses. Ashley, enlève-toi. C'est déjà suffisamment pénible de tourner en rond. Et là, je tombe là. Toujours au même endroit. Je retombe toujours au même endroit. Ça se trouve, quand vous regardez la vidéo, vous vous dites, ah, c'est moi qui ai la solution. Et moi, je la vois pas là. J'ai beau ne pas la voir. Là, c'est pour redescendre en bas. Je vois pas de truc que je peux faire descendre. Bon. Je vais chercher hors vidéo, hein. Je vais faire option, changer un truc dans le mode affichage, comme ça, ça me fait, hop, je retourne à vert, comme ça, ça me fait une sauvegarde. Voilà. Donc je vais arrêter la vidéo ici et je vais chercher hors vidéo parce que là c'est long, c'est hyper pénible et je vous montre la solution après. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était pénible, un peu chiante. Et donc on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo pour la suite du château. Bye bye.